Toutes les familles ont leurs secrets. Ça n'empêche pas de vivre. Si. Si. Il te ressemble. Je veux dire, c'est toi sur les photos quand t'étais jeune. Le même visage, les mêmes traits, tout. C'est fou les ressemblances, hein. Je viens d'une famille qui est normande, qui est catholique, et tout d'un coup, j'apprends que ton père, mon grand-père, n'est pas mon grand-père, que le vrai est juif et qu'il a été déporté dans un camp. Tu penses pas que tu devais m'en parler? Et je suis le type le plus gentil du monde. Et en même temps, j'ai cette violence en moi. Et je me bats pour rien. Pas pour rien, d'ailleurs. Je me bats parce que j'ai peur. Capi! Attends, il faut vivre dans le présent. Le passé n'a aucun intérêt. Mais alors, vous ne savez rien. Rien de David, rien de Virginie, rien. Lâchez-le, David. Nathan, ce n'est pas Marcel qui a dénoncé David aux Allemands. Il était trop bon pour faire ça. Wagner, sauve-le. Qui? Regarde-moi, c'est Wagner. Il devait partir. Il a été arrêté par la milice. Ihr Name, Wagner. Sie heißen wie ein Arier, wie ich. Fana Kamanas, Deutschland. David Nathan Wagner est ton père, mon grand-père. Tu m'as appelé Nathan, tu m'as donné son deuxième prénom. Pourquoi est-ce que tu m'en as jamais parlé? Mon père s'appelle Marcel Fabre. Pourquoi silence, là? Parce qu'il était juif? Parce que t'avais honte? On devait se marier. Il m'aimait. Il me le disait, en tout cas. La vérité. La vérité est une nation d'ignorants. Vous n'étiez pas dans les camps. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je suis David Wagner. Il t'aura fallu 60 ans, mais au moins grâce à ton fils, tu sauras qui est ton père. Dans ma famille, presque tout le monde était nazi, et je ne peux pas changer ça. Et t'as complètement raison, il faudra jamais oublier. Mais il faut vivre. L'oubli, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour le secret.